Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, intro assez particulière et en même temps vidéo très particulière, puisqu'il s'agit d'un vlog tout simplement. C'était il y a environ un an, j'avais sorti déjà un vlog où je vous montre un petit peu la partie YouTube d'Empire des Monnaies. Et donc là, je vais vous montrer plutôt tout le quotidien que j'ai d'Empire des Monnaies, en fait, tout ce que je fais au quotidien. Donc tout simplement, je vais vlogger pendant quelques jours, voire une semaine. Et donc voilà, comme ça, ça vous permettrait d'en savoir un petit peu plus par rapport à ça. Je vous préviens tout de suite, les plans, tout ce qui est son, la lumière, etc. Voilà, il n'y a rien qui ira. Mais bon, c'est normal, c'est un vlog. Mais voilà, du coup, j'espère que ça vous plaira. Et puis, bien entendu, si jamais vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien, n'oubliez pas de le faire, ça fait toujours plaisir et ça me soutiendra, bien sûr, énormément. Mais bref, sur ce, eh bien, place au vlog. Alors déjà, justement, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Et surtout, quel jour on est? On est le 14 juillet, donc il est 7h23. Et donc aujourd'hui, en fait, il faut que j'organise toute la semaine à venir. Donc en gros, pour vous raconter le contexte et tout ça, je vous raconte ma vie, hein, totalement. Mais en gros, donc là, on est le 14 juillet, comme je l'ai dit. Le 23 juillet, je pars en vacances pendant une semaine. Sauf que pendant cette semaine, eh bien, il y aura quand même des vidéos qui seront postées et tout ça. Donc toutes ces vidéos, je dois les faire à l'avance. Et le problème, c'est que bah, déjà, que garder le rythme de deux vidéos par semaine, pardon, et eh bien c'est déjà assez compliqué. Donc là, devoir préparer 4 vidéos, c'est assez compliqué, surtout que après les vacances, enfin après ces vacances, donc après le 30 juillet, eh bien je repars pendant plusieurs jours ailleurs, cette fois-ci de manière un petit peu plus professionnelle. Et donc pareil, il faut que je m'avance aussi à ce moment-là, donc ça va être assez la galère. Et donc le but, c'est que je fasse tout, et eh bien dans cette semaine. Donc là déjà, je vais organiser tout ça et je vous retrouve et eh bien juste après et je vous montrerai les différentes choses que j'ai à faire, donc à savoir surtout les vidéos, les monnaies à mettre en ligne, etc. Donc voilà, du coup je vous montrerai ça juste après. Donc ça y est, j'ai fini d'organiser, on va dire, toutes les grosses tâches que j'ai à faire, donc tout ce qui est vidéo et arrivage. Donc voilà ce que ça donne. Donc il y a des vidéos, donc des arrivages, des plans de présentation, etc. En sachant bien sûr que je ne vais pas pouvoir tout faire, du moins je ne pense pas, parce que mine de rien, rien qu'une vidéo, une vidéo du dimanche, hein, je parle, ça prend une dizaine d'heures. Et là il y en a 4, ouais c'est ça, je crois il y en a 4 à faire, donc ça risque d'être assez compliqué. Et en sachant qu'évidemment là je vous ai montré, on va dire, les grosses choses à faire, mais à côté de ça, va falloir que je cherche des monnaies, que j'achète des monnaies, par exemple que je fasse les commandes, que je les expédie, etc. Et tout ça, évidemment, ça prend du temps en plus. Et dans l'immédiat, aujourd'hui, donc de toute façon c'est un jour férié, donc à part travailler, à part faire du montage, je peux pas faire grand chose. Donc aujourd'hui, ça va partir sur faire une coin présentation en entière, donc du tournage jusqu'à l'importation sur YouTube, voilà, jusqu'aux sous-titres, etc. Vraiment, il faut qu'il y ait absolument tout qui soit fait. Et ensuite, donc j'ai une vidéo qui va sortir donc ce dimanche. Au moment où vous voyez ce vlog, normalement elle est déjà sortie, donc c'est la vidéo du château. Et dans celle-ci, je commencerai à la monter, et bien qu'après avoir fini la coin présentation, parce que de toute manière, en fait, je suis quelqu'un qui remet beaucoup les choses à plus tard. Mais quand il y a un horaire à respecter, une date fixe, etc., et bien j'arrive toujours à me démerder pour que ce soit fait à ce moment-là. Donc la vidéo de ce dimanche, même si je m'y mets samedi soir, je sais très bien qu'elle sortira dimanche matin. Donc ça, c'est pas trop la priorité dans l'immédiat. Juste dans l'immédiat, il faut vraiment que je m'avance, et comme je vous l'ai dit, pour les vacances, pour la semaine à venir, etc. Donc voilà, du coup, je commence le montage et évidemment, je vous retrouve juste après. Donc voilà, ça y est, alors je viens de finir de trier les différents plans, de faire les cuts, etc. Donc là, voilà, vous avez toute la partie facecam, du coup, de la vidéo. Ici, vous avez les différents plans eh bien, que je vais mettre dans la vidéo. Et donc, il y a juste quelque chose que j'ai oublié. Eh bien, c'est que tout simplement, je n'ai pas fait eh bien, la voix off de la présentation de la pièce, donc en l'occurrence du denier. Il faut que je l'écrive. Et ensuite, eh bien, j'irai enregistrer la voix off. Et puis après, évidemment, eh bien, je ferai les cuts, je ferai la relation avec les plans, etc. Et puis, je vous montrerai tout ça. Cette monnaie romaine est, comme je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, un denier d'Apuleia. C'est donc une monnaie constituée d'argent qui mesure. Et donc ça y est, alors je viens de finir du coup le montage de la vidéo. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein, rapidement. Donc ça, c'est bien tous les différents plans. Là, vous avez par exemple les pistes audio. Ici, tout ce qui va être images, là, les titres, etc. Enfin bref, voilà du coup pour la vidéo. Maintenant, il me reste juste à la mettre sur YouTube, à faire évidemment les sous-titres, et après, il y aura encore différentes choses et tout ça. Mais normalement, ça devrait être fini avant midi, hein, sachant que là, il est 11h-10. Mais voilà, du coup, normalement, ça devrait pas prendre trop de temps. Et surtout, ça devrait être fini assez rapidement. Alors du coup, ça y est, j'ai fini le montage de la coin présentation du coup avec le denier d'Apuleia. Donc ça, c'est fait, la vidéo est en ligne, les sous-titres sont faits, la miniature est faite, etc. Voilà, pour ça, c'est fait. Maintenant, bah, il y a juste à attendre qu'elle sorte, hein, tout simplement. J'en ai également profité pour régler différentes choses, répondre à des mails, répondre à des messages et tout ça. Si j'ai tenté d'acheter des monnaies, j'ai rien trouvé et des gens
voulait me vendre des monnaies, mais malheureusement, il n'y avait rien d'intéressant. Mais voilà, après, si jamais il y a autre chose, je vous le montrerai. Et du coup, là, je vais attaquer le montage eh bien, de la vidéo de dimanche, donc la vidéo du château. Le problème, eh bien, c'est que dans cette vidéo, il y a deux voix off à faire. Donc, elles ne sont pas écrites, donc il faut que je les fasse et que je les enregistre juste après. Et également, lors du tournage au château, eh bien, j'ai oublié de faire l'outro de la vidéo. Donc, il va falloir que je la fasse après. Je vais pas retourner au château pour la tourner quand même, mais voilà, c'est vraiment dommage. Mais bref, du coup, ça va être le programme de cet après-midi. Il faudra juste après que je finisse les commandes. Donc, voilà, la chose à faire, c'est vraiment de bien avancer le montage de la vidéo de dimanche et aussi de finir les commandes pour pouvoir les expédier demain. Aussi, et comme je l'ai dit, ça va être le temps des croisades, puisque toutes les croisades de la 4e à la 8e vont se dérouler durant ce siècle. J'en profite que la caméra soit sur trépied pour vous parler, mais comme vous l'avez vu, je viens de faire du coup la voix off de la vidéo dans le du château. Évidemment, précédemment, j'ai écrit le script et tout ça. J'en ai profité aussi pour faire un TikTok et tout. D'ailleurs, je vous mets mon compte TikTok juste ici. Maintenant, eh bien, je vais partir une nouvelle fois en montage. Aujourd'hui, ça aura vraiment été la journée montage. Mais voilà, du coup, je vais faire un petit peu de montage. Après, je finirai de préparer les commandes, je vous montrerai tout ça. Et puis, ce sera probablement la fin de la journée, je pense. Au moment où je parle, il est, je crois, 5h moins le quart environ. Mais bref, voilà, du coup, ça va partir sur du montage, j'espère avancer quand même un petit peu sur la vidéo, et normalement je devrais être à peu près dans les temps. Et aussi un truc que j'ai totalement oublié, mais je vous en ai parlé précédemment, il faut que je tourne l'outro de la vidéo dans le du château, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai oublié de la tourner au château en fait. Donc voilà, faut que j'installe le décor, faut que je la tourne, mais ça je pense que je ferai demain. Mais bref, voilà pour vous expliquer un petit peu la situation. Désormais, on repart pour du montage. Et donc voilà, alors j'ai bien avancé sur le montage du château, alors je voulais pas montrer, mais voilà, j'ai arrêté. Et je finirai ça demain du coup. Après, il y a juste un problème qui s'est rajouté parce qu'il y a toujours des problèmes. C'est que la vidéo est trop courte par rapport à ce que je voulais sortir. Je voulais avoir une vidéo qui va faire, on va dire, 5-6 minutes. Ce qui est déjà assez court, je trouve. Et là, le problème, c'est que celle-ci, elle risque de faire dans les 3 minutes. Donc voilà, je vais essayer de broder un petit peu, de rajouter des éléments et tout ça. Bref, ça, je verrai demain. Et donc là, en ce moment, eh bien, je suis en train de faire les commandes. Et puis, c'est tout en soi. Et ce sera la dernière tâche de la journée, je pense. Mais voilà, du coup, je fais les commandes et je vous retrouve juste après. Donc ça y est, alors j'ai fini du coup les commandes, donc elles partiront demain, ça voilà. Aussi j'ai fini 2-3 autres trucs par rapport aux commandes, par rapport à des mails et tout. Et puis c'est tout, donc voilà, la journée en soi se finit. Mais par rapport à demain du coup, il faut que je finisse la vidéo donc de dimanche. Et probablement que j'en monte une autre, ou du moins que je commence à monter une autre vidéo. Et aussi il faut que je fasse 2-3 tournages. Et puis eh bien ce sera à peu près tout. Mais donc voilà, pour cette journée en soi, ça a surtout été du montage. Et à part répondre à des mails, un petit peu de préparation de commandes, ça n'a pas été vraiment exceptionnel non plus. Mais voilà du coup, eh bien je vous dis à demain. Et bonjour, alors on est le 16 juillet, oui, on n'est pas du tout le 15. Dans la partie du vlog précédente, on était le 14, j'ai dit que je vloggerais le 15 également. J'ai oublié de vlogger, j'ai eu un petit peu la flemme, on va pas se mentir. Plutôt, je vais vous résumer la journée, déjà désolé pour ma coupe de cheveux, c'est dégueulasse, je sais, faut que je me paye. Mais bref, déjà pour vous résumer du coup, la journée du 15, alors ça n'a pas été une journée, on va dire, très intéressante, très productive. Déjà, je me suis levé trop tard. J'ai trop dormi, donc j'étais un petit peu éclaté. J'ai quand même fait un petit peu de montage. Ensuite, j'ai fait les voix-off de la vidéo donc pour le château. Donc, j'ai rajouté 2-3 trucs et tout ça. J'ai fait le tournage, enfin, l'enregistrement des voix-off. Ensuite, j'ai été à la poste, évidemment, pour expédier les commandes que je vous avais montrées. J'ai répondu à quelques mails, à quelques messages. Et puis, c'était à peu près tout. On va pas se mentir, donc c'était pas vraiment très, très productif. Productif, hein, comme je vous l'ai dit. Mais du coup, aujourd'hui, une nouvelle journée commence et je me suis dit qu'aujourd'hui, ça allait être productif. Du coup, je me suis levé tôt. Je me suis levé à 5h20. Je me lève rarement à 5h20, faut pas se mentir. Là, il est 6h24. Et donc, je vais aujourd'hui, du coup, il faut que je finisse la vidéo du château. Ça, c'est vraiment, eh bien, l'une des priorités. Enfin, non, même la priorité, parce qu'elle doit sortir demain, du coup. Faut aussi que je tourne l'outro, parce que j'ai oublié de tourner l'outro au château, comme je vous l'avais dit. Là, tout de suite, je viens de répondre aux mails donc, qu'on m'avait envoyés. Donc, les mails, tu sais, les questions, les identifications et tout ça. J'ai envoyé les mails de confirmation des commandes, j'ai oublié de le faire hier soir. Et maintenant, il faut que je réponde aux commentaires sur YouTube. Chose que je n'ai pas fait depuis plusieurs jours. Donc, il y a des dizaines de commentaires qui sont rajoutés. Donc, faut que j'y réponde. Et puis bah ça risque d'être un peu long je pense, non en vrai je sais pas, ça sera peut-être faire 20 minutes j'espère. Et une fois que ce sera bon, eh bien je vais partir sur le tournage de la vidéo.
sur le tournage de l'outro de la vidéo, parce que alors, je vous explique un petit peu ma vie. Mais actuellement, on est en pleine canicule. Donc ça, bon, pourquoi pas, c'est un peu embêtant, mais pourquoi pas. Et le problème, en fait, c'est que à l'intérieur, donc chez moi, bon, j'ai pas le clim, hein, bien sûr, mais surtout là où je tourne, donc au premier étage, en fait, il fait, dans la journée, quand j'arrive à peu près à garder la fraîcheur, disons, il fait dans les 27-28 degrés, donc ça va, c'est tenable. Mais une fois que je, on va dire, ferme tout, parce que pour le tournage, évidemment, il faut que je ferme tout, toutes les portes, toutes les fenêtres, évidemment, faut aussi que je mette une cloison qui permet un petit peu d'isoler phonétiquement, ça rajoute de la chaleur, et vous ajoutez à tout ça, eh bien, les lumières, les spots et tout ça, ça fait énormément de chaleur, ce qui fait que rapidement dans la salle, peut-être qu'au bout de 15-20 minutes, il fait déjà 35 degrés. Et d'ailleurs, très souvent, ma caméra tombe en panne parce qu'elle tombe en surchauffe, tout simplement. Donc c'est un petit peu la galère, et tourner dans ces conditions, bah, disons que c'est un petit peu compliqué. Et résultat, je vais tourner tout de suite, le plus tôt possible, donc on va dire que sur le coup des 7h30, ce sera à peu près bon, parce qu'il fera encore frais, parce que dehors, il n'y aura pas trop de voitures qui circuleront. Donc voilà, ce sera pas si mal, et ça va être la priorité de ce matin. Une fois que ce sera fait, je partirai bien sur le montage de cette séquence, sur le montage des voix off également, et sur le montage final de la vidéo bien sûr. Et après, je me suis quand même fait une liste, donc deux choses à faire, et une fois que ça ce sera fait, il faut que j'aille acheter une cartouche d'encre, parce que pareil, nouveau problème, j'ai plus de Mystery Coin. Mais quand je dis que j'en ai plus du tout. Si j'ai une commande, c'est la merde. Donc il faut que j'en produise une nouvelle série aujourd'hui ou demain. Puis c'est à peu près tout. Si après, il faudra que je parte sur le montage, encore une fois, d'une autre coin présentation ou d'une vidéo du dimanche. Je verrai, je sais pas. Mais voilà, et il faudra que je fasse quelques TikTok aussi. Donc voilà pour le résumé de la journée. Ça va être une journée assez chargée, mais qui devrait être normalement à peu près intéressante, disons, du moins je l'espère. Et surtout, j'espère qu'il sera productive. Mais du coup, sur ce, eh bien, je vous laisse et je vous retrouve juste après. Pour ma part, je vais répondre évidemment aux commentaires des différentes vidéos et les commentaires auxquels je n'ai pas répondu depuis beaucoup trop de temps. Bref, je vous retrouve juste après. Donc voilà, des commentaires du coup auxquels il faut que je réponde. Et oui, je m'étais pas rendu compte qu'il y en avait autant. Voilà, voilà. Mais bref, je vous retrouve juste après. Alors ça y est, je viens de répondre aux commentaires, alors j'y ai passé à peu près une demi-heure. J'ai pas répondu à tout, il m'en reste des dizaines à répondre, pour être honnête. Mais voilà, du coup, bon, je m'arrête là, je répondrai aux autres plus tard, disons. Et là, dans l'immédiat, je vais bien me préparer et tourner l'outro de la vidéo, du coup. Même si j'avais envie de faire plusieurs tournages, mais je pense que je vais juste me concentrer sur un seul pour l'instant. Donc voilà, on se retrouve juste après donc pour le tournage et pour la préparation du décor aussi. Parce qu'il faut que je mette 2-3 choses en place et tout ça, enfin bref. Du coup, je vous retrouve bien juste après. Et donc voilà, le décor est mis en place, les lumières sont mises en place. J'ai toujours 2-3 soucis de lumière à régler, je veux dire par exemple on voit mon ombre derrière quand je passe tout ça, là je trouve que c'est pas assez éclairé, là aussi, enfin bref, faut que je règle ça, mais honnêtement je sais pas trop comment faire encore, donc voilà, ça sera réglé par la suite, il faut que je vois ça, et également aussi petite précision en plus, ici donc il y a une monnaie dont un abonné m'avait envoyé, il y en aura bientôt une deuxième, puisqu'un abonné m'a également envoyé une autre monnaie, donc il s'agit d'une fausse monnaie, et en fait c'était une monnaie qu'il a achetée, si je dis pas de bêtises, hein, à confirmer, mais qu'il avait acheté en pensant que c'était une vraie, et malheureusement il s'agissait d'une fausse et tout, et comme il n'a pas pu se faire rembourser, et comme il n'a pas envie de la garder, eh bien il me l'a envoyé, et du coup eh bien cette monnaie sera ici dans le décor, dans les prochaines vidéos probablement, donc pour vous probablement au moment où vous voyez cette vidéo, je pense d'ici une ou deux semaines environ. Mais donc voilà, et bien désormais on va passer au tournage. Prenez soin de vous et de vos proches, puis bien sûr on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut! Et voilà du coup comment se termine une vidéo, je sais, c'est très bizarre, mais bref, voilà du coup, le tournage est fini. Maintenant, eh bien, on va passer au montage, en sachant que normalement, il n'y en a pas pour très longtemps. La vidéo, je crois que les rushs directs font un truc comme 5-6 minutes, en sachant que j'ai tourné deux fois là ou trop, parce que la première version ne me plaisait pas. Donc en soi, il y a 3 minutes à monter, ce qui devrait être assez rapide. Le
plus chiant, disons, ça va être tout ce qui va être les voix off. Il y a trois voix off différentes, trois voix off évidemment à trier parce que les voix off je les fais en double à chaque fois. Il y a évidemment tous les moments où je reprends ma respiration à couper, etc. Enfin bref, c'est assez long et assez chiant. Et après, bien sûr, il faudra illustrer toutes les voix off, donc trouver des photos d'archives s'il y en a. Il y a plein de petits trucs à faire et bien c'est ce que je vais faire maintenant. Ou alors je dois aller chercher une cartouche d'imprimante. Je sais, vous vous en foutez pas mal, mais moi ça me permet de faire des mystery coins. Donc je sais pas, je vais voir ça. Mais quoi qu'il en soit, je vous retrouve évidemment juste après. Et bonsoir du coup, on est le soir désormais. J'ai pas du tout vlogué de l'après. La dernière partie du vlog que j'ai fait, ça devait être vers les 11h, je sais plus. Mais du coup, cet après-midi, j'ai fini de monter la vidéo. Ça a été la vidéo, honnêtement, qui m'a demandé le plus de temps, je crois, en termes de montage. Alors qu'en soi, elle est courte, hein, elle fait 7 minutes. Après, en termes de vraiment tout confondu, ça a réellement été la vidéo qui m'a pris le plus de temps. Donc j'espère qu'elle va marcher quand même. Honnêtement, je pense pas, parce que ça va être quelque chose de très différent, mais bon, j'ai aimé la tournée, j'ai aimé la faire, la vidéo, ce qu'elle donne et tout ça, j'aime beaucoup le rendu final. Donc on verra ce que ça donne, et puis au pire, tant pis. Même si, on va pas se mentir, ça m'embêterait qu'elle ne marche pas. Mais bref, du coup, là, il me reste juste à faire la miniature de la vidéo. J'ai pas trop d'idées, on va pas se mentir. Donc je pense que je vais juste mettre le château et le titre de la vidéo en dessous, je verrai. Et il faut que je fasse aussi les sous-titres de la vidéo, et normalement, ça devrait me prendre au total les deux, ça devrait me prendre environ une heure. Donc voilà, normalement, ça devrait être réglé assez rapidement. Mais dans tous les cas, je vous retrouve juste après. Et donc, ça y est, du coup, j'ai fini les sous-titres, j'ai fini de faire la description, de faire une miniature, etc. Maintenant, la vidéo sortira à 10h en espérant que ça plaise un minimum quand même, même si on va pas se mentir, ça m'étonnerait, mais bon, on verra ça bien entendu demain. Enfin bref, voilà, du coup, sur ce, eh bien, bonne soirée. J'ai pas fini trop tard, il est 23h30, j'ai eu une demi-heure de retard, mais ça va. Et puis sur ce, eh bien, bonne nuit et à demain. Et bonjour, alors évidemment, on est le lendemain de la séquence que vous avez vue juste avant, donc on est dimanche. Du coup, la vidéo est sortie, donc la vidéo du château. Honnêtement, bon, ce qui s'est passé, enfin, je m'y attendais, disons, c'est que la vidéo ne marche pas forcément très bien en termes de vues et tout. Je crois qu'elle est 7ème, je crois, sur les 10 dernières. Dans le 7 sur 10, c'est pas ouf, hein, honnêtement. Après, il y a quand même des bons retours, il y a des bons commentaires et tout. Mais voilà, ça reste pas dingue et c'est quand même dommage. En sachant que je crois que j'ai mis 20 heures de montage dedans. Donc c'est quand même embêtant. Mais bref, ça, c'est comme ça, de toute façon, je m'y attendais et puis ça sera peut-être mieux la prochaine fois, du moins j'espère. Mais sinon, du coup, aujourd'hui, il faut que je fasse les Mystery Coins parce que j'en ai plus aucune. Je crois qu'il m'en reste une, je sais plus. Enfin bref. J'en ai plus, on va dire. Donc voilà, du coup, j'ai les pages. Donc voilà, qu'il va falloir découper. Après, évidemment, il va falloir les plier, les agrafer, les remplir. Évidemment, mettre des monnaies dedans, c'est quand même le principe. Enfin bref, du coup, je vais faire ça. Ça va me prendre, je pense, ça va me prendre 2 heures environ. Ensuite, j'aurai du coup du montage à faire. Encore et toujours du montage, bien sûr. Pour la vidéo de, je sais pas, je pense que je ferai la vidéo de dimanche prochain. Ou alors je commencerai à faire une autre coin présentation, je sais pas, bref. Et après aussi je commencerai à préparer l'arrivage de mardi. Normalement mardi, alors parce que, justement, parlons un petit peu des problèmes de livraison. Mardi, normalement, enfin tous les mardis, il y a des arrivages sur la boutique, donc des arrivages de monnaie, qui sont normalement à 8h du matin. Le problème, c'est que je suis censé recevoir des monnaies que je n'ai toujours pas. Parce que la personne a mis 5 jours pour envoyer les monnaies, alors que normalement, en une journée, c'est fait. Donc voilà, donc bon, évidemment, ça pourquoi pas. Mais du coup, je sais pas, avec un peu de chance, peut-être que je les aurai demain. Si c'est le cas, l'arrivage se fera mardi. Si c'est pas le cas et que je les ai mardi, du coup, eh bien, l'arrivage se fera mercredi. Donc ça, ça dépendra. Mais dans tous les cas, il faut que je commence à le préparer. Donc ça va être faire les photos, détourer les photos. Quand je dis détourer, c'est mettre le fond rouge sous les photos, enfin derrière les monnaies, pardon. Et après, je commencerai à faire évidemment tout ce qui est comptabilité, ça c'est la partie la plus passionnante de mon travail. Et après, du coup, donc ça fera, du moins je serai bien avancé pour l'arrivage, et on verra demain matin, du coup, est-ce que je recevrai ou non. En sachant aussi que j'ai des commandes à faire, donc ça je ferai ça ce soir. Le problème, c'est que demain, on est lundi, et que le lundi, dans ma ville, eh bien, la poste est fermée. Voilà, ça aussi, on est content. Du coup, il faut que j'aille ailleurs, dans une autre ville, pour pouvoir expédier. Donc ça, ce sera l'affaire de demain aussi. Enfin bref, de toute façon, on verra ça demain. Mais dans l'immédiat, du coup, je vais juste faire les Mystery Coins. Et puis voilà, je vais faire une série de 100, et puis ça tiendra quelques temps. Voilà, je vous retrouve juste après. Alors du coup, je viens de
entre guillemets, finir Amy Storycoin, parce qu'en fait, j'ai plus de d'Elraf. Le problème, c'est qu'on est dimanche. Non, je vais pas en acheter aujourd'hui, bien sûr. Du coup, j'ai pu en faire quand même une quarantaine. Enfin, du moins, j'ai assez d'Elraf pour faire une quarantaine et pour les finir. Et donc, maintenant, j'ai plus qu'à remplir avec les monnaies et puis après, fermer la pochette. Et donc, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'il y a dedans et tout, sur une série de 100, il y en a 90, donc 90 pochettes, qui vont contenir des monnaies françaises. Donc là, par exemple, j'ai acheté un lot. Ici, j'ai par exemple un 12 denier de Louis XVI. Il n'est pas non plus en très très bon état, bien entendu. Voilà. Après, désolé, c'est pas un objectif macro. Enfin bref, après, bon, des en francs, chambre du commerce, tout ça. Ça, ce sont des monnaies voilà, relativement classiques. Ensuite, par exemple, dedans, il y aura aussi donc, des romaines. Donc, en l'occurrence, 10 pochettes sur 100. Et là, par exemple, j'ai un Antoninien de posthume. Voilà. Et qui se retrouvera du coup dans mes pochettes. Mais voilà, du coup, je fais ça et je vous retrouve juste après. Alors du coup, ça y est, j'ai entre guillemets fini Mystery Coin. En fait, j'ai plus d'Elraf. Normalement, il m'en restait une petite réserve pour pouvoir finir les Mystery Coin, enfin pour pouvoir finir la quarantaine que j'avais dit. Le problème, bah, finalement, c'est que j'ai pu en faire même pas une vingtaine. Donc voilà, j'ai pu faire ça. De toute manière, je finirai ça demain. Mais voilà, du coup, dans l'immédiat, eh bien, je vais faire une petite pause. Et ensuite, eh bien, je vais m'attaquer au montage donc, de la prochaine vidéo, je ne sais pas laquelle encore. Mais voilà, du coup, après, je pars sur du montage. Et donc, bonjour, alors oui, je sais. Dans la précédente séquence, je vous avais dit que je vous retrouverai le soir pour vous faire un débrief et tout ça, pour vous montrer 2-3 trucs et tout. J'ai oublié de le faire. Voilà, désolé. En fait, je m'en suis souvenu au moment où j'allais me coucher. J'avais plus envie, on va pas se mentir, de vlogger, donc voilà, moi je l'ai pas fait. Et du coup, pour vous résumer ce que j'ai fait hier soir, enfin même hier après-midi, j'ai pas fait de montage, comme ce qui était censé être. J'ai répondu à des mails, j'ai répondu à des commentaires, j'ai répondu à des messages sur Instagram. J'ai écrit des scripts pour les coin présentations, j'ai écrit 3 scripts différents. J'ai préparé une commande aussi, et je me suis organisé. Ça aussi, j'ai réellement fait un emploi du temps, et toutes les choses que j'ai à faire avant, et bien avant jeudi. Sinon, concernant la vidéo qui est sortie, donc le château, la vidéo du château qui est sortie eh bien hier du coup, on va pas se mentir, elle a pas marché, hein. Elle est 6ème sur 10 je crois, donc en soi c'est moyen, c'est vraiment moyen. Là je crois au moment où je parle elle est à 170 vues, un truc comme ça, donc en 24 heures, un peu plus de 24 heures maintenant, il est 11h là, honnêtement c'est nul hein, on va pas se mentir, voilà. Mais en soi, bon c'est pas si grave, même si ça me dérange d'avoir mis autant de temps dans cette vidéo, parce que rien que le tournage ça demandait 4 heures environ, l'écrit de la vidéo ça a dû demander dans les 2-3 heures, et le montage ça a dû demander environ dans les 20 heures, donc au total c'est une vidéo qui m'a demandé dans les 26-27 heures de boulot, et résultat ça fait 600 vues, même pas. Et ça va me rapporter, hein, soyons clairs, dans les 1€, 1,20€ environ. Mais bon, tant pis, de toute façon, je m'y attendais. Juste, au moins, ça m'aura permis de tester le concept. Ça m'aura permis voilà, de tester comme ça, de voir comment on fait un tournage à l'extérieur, d'en savoir un petit peu plus. Et c'est toujours ça, et c'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Mais voilà, au moins, elle me plaît. Je trouve que la vidéo était quand même assez sympa. Bon, tant pis, elle n'a pas vraiment bien marché, mais c'est pas grave. Mais sinon, pour en revenir du coup à aujourd'hui, donc ce matin, j'ai fait du montage. J'ai fait le montage de la vidéo de l'anecdote sur Le Bon Coin. Le problème, une nouvelle fois, hein, bien entendu, c'est que l'intro est éclatée. Je sais pas ce que j'ai fait, je me suis trompé. Enfin bref, il y avait différentes choses qui n'allaient pas. Ce qui fait que je dois retourner l'intro, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. C'est pour ça que je suis dans mon décor. Et je vais également en profiter, évidemment, pour tourner d'autres séquences, enfin d'autres vidéos, pardon. Donc à savoir 3 coins de présentation et 2 vidéos normales. Enfin, de vidéos du dimanche. Je pense pas que j'aurai le temps de tout faire, mais voilà, on va voir. Normalement, ça devrait passer à peu près. Aussi, j'ai commencé à préparer une autre vidéo, donc qui est les collections des abonnés 6. Donc, j'ai fait une story hier soir sur Instagram. Je suis en contact avec des personnes qui vont pouvoir eh bien, me faire des photos de leur collection, tout ça. Et bref, ça, c'est en train de se faire et je la tournerai demain matin. Je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais j'ai encore répondu à des mails, à des messages sur Insta et à des commentaires sur YouTube une nouvelle fois. Donc, ça, c'était ce matin. Et aussi, aujourd'hui, je dois tourner des TikTok parce que j'ai un compte TikTok hein, au cas où je me suis remis à TikTok récemment. Donc voilà, bref, ça c'est le planning d'aujourd'hui. Sinon cet après-midi, oui, parlons de cet après-midi aussi. Une fois que j'aurai tourné et tout ça, il faut que j'aille à la poste. La poste est fermée le lundi. Je vous raconte toute ma vie. Hein. Mais la poste est fermée le lundi dans ma ville et elle est fermée, je crois que c'est le jeudi, elle est fermée une fois sur je sais pas combien. Enfin bref, ça aussi c'est la poste. Hein. Donc il faut que j'aille ailleurs, sauf que, soyons clairs, au lieu de me prendre 10 minutes
Ça va me prendre 3 quarts d'heure environ dans le setup. Et donc voilà, faut que je fasse ça. Ensuite, il faut que je commence à préparer l'arrivage parce que oui, également, parlons de l'arrivage qui est censé arriver demain, donc mardi. Et bien en fait, j'ai toujours pas reçu les monnaies de cet arrivage. Le problème, c'est que donc l'arrivage se fait mardi. Donc impossible évidemment de le mettre mardi. L'arrivage dans l'immédiat est reporté à mercredi. Si jamais j'ai pas les monnaies mercredi matin, je sais pas comment je fais. Mais bref, ça voilà, ce sont les problèmes du quotidien. Et les problèmes qui arrivent toutes les semaines. Mais donc voilà, pour cet après-midi, ça va être du montage, l'envoi de la commande, réponse à des mails et tout ça aussi. Et puis ce sera à peu près tout. Voilà, de toute manière, je vous vloggerai ça et réellement je vais vlogger après. Voilà, enfin bref, on se retrouve évidemment tout à l'heure. Et puis, eh bien pendant ce temps, eh bien, je vais tourner des vidéos. Donc ça y est, je viens de finir quasiment tous les tournages, il m'en reste un seul à faire, donc j'ai tourné une vidéo. Aussi désolé pour l'éclairage, j'ai gardé qu'une seule lampe parce qu'il commençait à faire vraiment très chaud dans la pièce. Et d'ailleurs la caméra a surchauffé juste avant. Mais bref, du coup j'ai eu le temps de faire donc un tournage pour une vidéo du dimanche. J'ai fait 3 fois une présentation aussi. Et donc maintenant il faut que je parte à la poste, j'ai pas envie. Faut que je parte à la poste du coup pour expédier les commandes. Et puis évidemment je vous retrouve juste après. Et cet après-midi il faudra surtout que je monte les vidéos, enfin du moins j'en monte une. Et après il faudra aussi que j'en tourne encore une autre. Voilà, et normalement comme ça j'aurai assez d'avance pour on va dire quelques semaines, ce sera déjà pas mal. Et donc voilà du coup pour ça, pour vous tenir au courant de ce qui se passe du coup. Sur ce, eh bien je vais à la poste et donc on se retrouve tout à l'heure. Alors du coup depuis que je vous ai laissé, donc c'était un début d'après-midi, maintenant il est 23h je crois à peu près. Du coup j'ai fini bon tout ce qui était tournage et tout ça, j'ai fait les voix off aussi. Ensuite j'ai répondu à différents mails, à différents messages sur Instagram, à différents commentaires, etc. Et également eh bien j'ai aussi, j'ai un petit peu fini de préparer les Mystery Coins aussi. Et aussi j'ai quasiment fini la vidéo, enfin le montage de la vidéo qui arrivera, pas ce dimanche là mais le prochain, donc je prends un petit peu d'avance. Et donc là tout de suite ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je prépare la commande et il faut aussi eh bien que je finisse de monter la vidéo. Donc voilà du coup pour ce qui m'attend dans cette soirée, ce que j'ai fait cet après-midi. Et donc eh bien je vous retrouve demain matin. Et bonjour, alors du coup on se retrouve pour cette nouvelle journée, une nouvelle fois. Alors aujourd'hui, ce que j'ai à faire, comme je vous ai dit, donc il y a beaucoup de montage, il y a des tournages. Alors justement les tournages sont annulés parce que eh bien il est 11h-10, donc il commence à être déjà assez tard pour tourner en fait. Du coup ça s'est annulé, c'est reporté à demain. Et donc aujourd'hui pour ce que j'ai à faire, alors je regarde la liste en même temps, donc des choses à faire. Il faut donc que je fasse les plans de la vidéo donc des francs, donc c'est la vidéo qui arrivera ce dimanche là. Donc ça vous savez c'est les plans où je filme juste les monnaies quoi, tout simplement. Ensuite il faut que je fasse les photos de l'arrivage. Donc l'arrivage qui se fait demain, parce que alors pareil, normalement il devait y avoir un arrivage aujourd'hui, donc on est mardi. Sauf que l'arrivage est bien sûr reporté à demain, parce que j'ai reçu les monnaies ce matin, alors que je les ai commandées il y a plus d'une semaine déjà. Bref, voilà, ça, c'est comme ça, ce sont les retards évidemment. Ensuite, il faut que je fasse le montage de la vidéo de dimanche, le montage d'une coin présentation, il faut que j'aille à la poste. Il faut que je finisse les mystery coins, que je prépare l'arrivage bien entendu, que je fasse des TikTok. J'ai dit que je le ferai hier, j'ai oublié de le faire. Et que je finisse le montage des vidéos, enfin de la vidéo qui arrivera pas ce dimanche-là, l'autre, donc qui est une vidéo anecdote. Ça c'est le planning de la journée. Là, dans l'immédiat, j'ai commencé à faire le montage de la vidéo anecdote, ce sera bientôt bon. J'ai répondu aussi à quelques mails, à quelques DM Insta et tout ça. Et à des commentaires YouTube aussi, bien entendu. Et puis, eh bien, je finis ça, et malheureusement aussi, j'avais prévu de finir totalement le montage de cette vidéo, chose que je ne peux pas faire parce que dans la vidéo, il me faut une photo que je n'ai pas, qui n'est pas chez moi, donc il faut que je retrouve et que je ne pourrai avoir que d'ici quelques jours. Donc je peux pas finir le montage aujourd'hui, mais du moins je vais essayer de, eh bien, de tout finir et juste qu'il y ait juste cette image à rajouter à la vidéo. Mais bref, une fois que c'est bon, on partira sur eh bien, le montage de la vidéo donc, de ce dimanche, donc la vidéo des VS, enfin des francs. Et une fois que ce sera bon, eh bien, du coup je ferai les photos de l'arrivage. Enfin bref, dans tous les cas, je vous montrerai ça juste après. Donc du coup ça y est, alors j'ai à peu près fini la vidéo donc de l'anecdote, à peu près hein, bien sûr. Ensuite j'ai commencé le montage de la vidéo des francs, enfin des francs VS et tout. J'ai aussi fait l'arrivage, donc j'ai fait les photos donc des monnaies. Maintenant il me manque à les modifier, enfin à faire le détourage, vous savez, mettre le fond rouge. J'ai fait les références aussi des monnaies, donc comme ça, mettre une référence et tout ça, histoire de savoir telle monnaie, eh bien je l'ai acheté à telle personne, tel jour, etc. Et du coup, maintenant, eh bien, je vais faire une pause parce qu'il est 1h à peu près. Et on se retrouve eh bien, cet après-midi, en sachant que cet après-midi, j'ai aussi des choses à faire par rapport à la préparation des vacances et tout. Faut que j'aille à la poste aussi, enfin bref.
En tous les cas, je vous retrouve, eh bien, dans l'après-midi, je ne sais pas trop quand, mais je vous retrouve juste après. Alors ça y est, du coup, bon, j'ai fait pas mal de choses cet après-midi, bon, j'ai fait pas mal de choses perso et tout ça, enfin bref, voilà. J'ai aussi fait, surtout, j'ai expédié les commandes, j'ai répondu à des mails, là, il faut que je réponde à des messages sur Insta pendant que j'y pense. J'ai aussi, eh bien, préparé l'arrivage, donc l'arrivage qui arrive le 20 juillet, donc demain, du coup. Ça, sur ce, bah, donc voilà, après, je voulais pas filmer ça parce que... Bah, soit c'est pas si intéressant que ça en fait. Je vais juste vous montrer quand même 2-3 monnaies que j'ai reçues. Enfin, qui seront du coup demain en vente. Et qui sont pas mal. Mais du coup, maintenant, là, donc, faut que je réponde à des messages sur Insta. J'ai encore 2-3 trucs à faire. Faut que je fasse du montage. Et puis la soirée, ça sera du montage de toute manière. Mais du coup, voilà, je vous retrouve eh bien juste après une fois que j'ai fait encore 2-3 choses de plus. Allez, à tout de suite. Et donc, du coup, voilà les deux monnaies les plus belles. Alors, je suis désolé. J'ai pas le bon objectif qui va pour. Pour pouvoir vous les montrer, mais les voilà en gros. Donc un sesterce d'Otacilia Severa. Et donc ensuite un sesterce de Maxime César. Donc pareil, une monnaie qui est quand même assez sympa. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous les montrer d'une manière plus proche. Mais donc voilà pour cette monnaie. Voilà, et ça évidemment ce sera demain sur le site. Alors ça y est, du coup je viens de finir alors tous les cuts et bon pas les zooms encore. Mais tous les cuts du coup, et eh bien de cette vidéo, donc voilà, vous avez ici la timeline, et puis voilà, donc, bon là l'ordi a quasiment plus de batterie et je vais pas travailler en même temps qu'il est en train de recharger. Donc du coup j'attends qu'il se recharge et puis eh bien je finirai le montage juste après. Alors ça y est, du coup j'ai rechargé l'ordi a désormais de la batterie, j'en ai profité pour manger aussi parce qu'il commence à se faire tard, mine de rien il est déjà un peu plus de... il est 23h08. Alors, il commence à faire tard, c'est un peu la fin de la journée, donc qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il me reste à faire aussi, et qu'est-ce que je ne vais pas avoir le temps de faire aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer ça directement. Alors donc, il y avait plein des monnaies, donc ça c'est pour la vidéo, donc des francs VS à faire. Bon, ça je le ferai demain. Ensuite, donc les photos arrivage, bon ça évidemment, ça concernait tout ce qui était l'arrivage. Là, il faut du coup que je finisse donc, le montage des vidéos. Ensuite, je monte aussi une colline présentation, ça m'étonnerait que j'ai le temps de le faire. Ensuite, bon, la poste, les mails pour les commandes. Faut que je finisse les Mystery Coin aussi, je ne l'ai pas fait. Faut que je finisse l'arrivage donc de demain, enfin la partie CM, enfin partie Community Manager, donc tout ce qui est TikTok, Instagram et tout ça. Donc faut que je fasse les publications, enfin que je les prépare. J'avais prévu de faire des TikTok aussi, j'ai oublié une nouvelle fois. Et du coup voilà, donc ça c'est ce qu'il reste à faire aujourd'hui. En sachant du coup que la vidéo avec les VS, donc des francs, ça je ne vais pas pouvoir la finir ce soir parce que j'ai pas les plans et les plans je les tournerai que demain. Donc ça c'est pas grave, je vais au moins finir tout ce qu'il y a à côté dans cette vidéo, je sais pas, remettre par exemple un truc tout bête, hein, mais mettre le bouton s'abonner, mettre le bouton like, etc. Donc voilà, tout ça à faire. Après évidemment, ça je suis obligé de le faire, ça va être la publication du coup pour demain, pour Instagram, enfin pour l'arrivage de demain. Et je vais peut-être commencer eh bien la coin présentation aussi, donc commencer le montage. Et puis je pense qu'on sera pas mal, enfin du moins je l'espère. Ce sera déjà ça à peu près. Et puis voilà, je ne pense pas revloguer dans la soirée ou quoi que ce soit. Donc je vais vous laisser sur des plans coupe, tout simplement. Et puis sur ce, eh bien je vous dis à demain. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Et bonjour et bienvenue dans ce nouveau jour de vlog, en sachant que c'est aussi le dernier. Ça aura fait, je pense, déjà une vidéo assez longue, donc voilà, je vais arrêter aujourd'hui. Sachant qu'aujourd'hui, c'est un jour assez spécial, puisque c'est mon anniversaire, voilà, le 20 juillet. Mais honnêtement, ça change pas grand-chose non plus à la journée, on va pas se mentir. Mais du coup, quel est le planning de la journée? Alors normalement, je devais tourner un épisode, donc du coup, des collections des abonnés. Le problème, une nouvelle fois, hein, bien sûr, donc je devais le tourner déjà hier matin. Là, je me suis dit, je vais le tourner aujourd'hui, dans ce matin, en sachant que là il est 10h30, et en fait, hier soir il y a un abonné qui m'a envoyé bien sa collection, enfin, juste une photo de sa collection, et le problème c'est que sa collection est quand même assez intéressante et tout, j'aimerais beaucoup la faire passer en vidéo, mais il m'a envoyé qu'une photo, donc je lui en ai demandé d'autres, mais il m'a pas répondu entre temps, donc je sais pas comment faire, je sais pas si jamais il me répond pas d'ici ce soir, je sais pas comment je fais, je pense que dans tous les cas, le tournage est une fois de plus reporté, probablement à ce soir, et puis si jamais il m'a pas répondu, bah tant pis, malheureusement il y aura pas sa collection, mais je peux pas faire autrement.
mort après. Donc voilà, faudrait vraiment que tout soit casé aujourd'hui et comme ça, ce sera fait. Mais sinon, dans l'immédiat, donc de ce que j'ai fait déjà ce matin, donc il y a eu l'arrivage des monnaies, donc l'arrivage sur la boutique, donc ça c'était à 8h du matin. Donc voilà, évidemment, ça c'était tout, tout ce qui était répondre à certains commentaires, répondre à des messages aussi Instagram, mettre les publications sur Instagram, bien sûr, l'affaire et tout ça. C'est à peu près tout de ce que j'ai fait ce matin. Dans l'immédiat, là, je vais faire, faut que je fasse un tournage. Donc, je vais pas vous dire le tournage parce que je pense que ce vlog sortira avant cette vidéo et je vais pas vous spoil la nouvelle vidéo. Une fois que ça c'est fait, enfin, je vais vous montrer directement. Alors voilà, donc là, donc il y a les plans pour les francs VS donc à faire. Ensuite, finir le montage donc des francs VS, bon ça voilà. Après, donc monter une coin présentation, faut vraiment que je le fasse. Là, finir la coin présentation de Maximin, donc je l'ai quand même bien avancé hier soir, donc là ça devrait être fait assez rapidement. Ensuite, tourner la vidéo donc des Romain VS, bon je vous ai dévoilé les titres, voilà, donc ça faut que je le fasse. Finir les Mystery Coin et tourner la vidéo des abonnés, enfin la vidéo des collections des abonnés. Voilà, ça c'est ce qui doit être fait. Est-ce que j'aurai le temps de tout faire? On va pas se mentir, je sais pas. Mais on verra ça, de toute façon, il faut que ça passe avant que je parte. Je referai, je pense, une autre séquence de vlog un peu plus tard, probablement vers les midi. Et puis, dans tous les cas, on se retrouve eh bien, tout à l'heure. Et du coup, eh bien, bonne journée à vous. Alors, ça y est, du coup, bon, je vais commencer à faire le tournage de la vidéo dans le déco collection. Juste avant, j'ai préparé la vidéo, en fait. Sélectionner les photos, les mettre dans les différents dossiers et tout ça, histoire que tout soit fluide eh bien, pendant le tournage. Après, il me manquait quelques informations aussi. Et donc, je les ai demandées aux abonnés. Heureusement, ils m'ont répondu assez rapidement. Et aussi, alors l'abonné du coup qui devait m'envoyer sa collection ne l'a toujours pas fait, donc malheureusement, c'est voilà, je peux pas faire autrement et le tournage doit se faire maintenant. Là, maintenant, il me reste juste à faire le tournage et puis évidemment, je vous retrouve juste après et ce sera probablement et bien la dernière séquence de ce vlog. Alors, ça y est, je viens de finir et bien le tournage des collections et bien des abonnés en soi. Tournage qui s'est relativement bien passé, la caméra a de nouveau surchauffé, voilà, ça c'est le problème, et pour ceux qui se demandent comment je fais, eh bien je change la batterie et j'attends que la caméra refroidisse, voilà, c'est très chiant, honnêtement c'est très chiant, mais bon, voilà, ça c'est le problème de la canicule bien entendu. Bref, sur ce, voilà, c'est tout pour ce vlog, je pense que ce vlog s'arrête là. Merci d'avoir suivi, et je pense que ce vlog sera assez long, donc merci à ceux qui sont encore là, évidemment j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous en savez un petit peu plus, et bien sûr, on va dire, mon quotidien d'entrepreneur, mais bref, tout ce qui est évidemment coulisses, tout ce qui est Empire des Monnaies et tout ça, même si vous avez dû voir en compte, mais Empire des Monnaies en fait, il y a deux grosses parties, il y aura la partie vente et la partie YouTube, et ce qui me prend le plus de temps, et eh bien c'est la partie YouTube en fait. Donc voilà, je suis désolé si je vous ai pas trop montré non plus, je sais pas, par exemple, la mise en vente des monnaies, mais il n'y a pas grand chose à montrer en soi, je fais juste une description, donc en soi, dire voilà, c'est pas très très intéressant. Après à côté je fais de la compta, donc pareil c'est pas plus intéressant que ça, donc je voulais pas montrer. Et pareil, je veux dire, tout ce qui est achat, vente de monnaie et tout, il y a une grosse partie que je peux pas vous montrer parce que par exemple toute la semaine j'étais en contact avec des gens pour pouvoir acheter des monnaies, sauf que je vais pas vous montrer évidemment le numéro des personnes, je vais pas vous montrer les personnes en elles-mêmes et tout ça, je peux pas, j'ai pas le droit évidemment, mais bref voilà, vous avez compris je pense. J'espère quand même que ça vous aura plu. Une nouvelle fois, bien entendu, si jamais vous souhaitez acquérir une monnaie romaine ou une monnaie féodale ou une royale, peu importe, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet empiredesmonnaies.fr. évidemment dessus vous y retrouverez, comme je l'ai dit, des centaines de monnaies diverses et variées, absolument tous les budgets. Il y a, ça commence à 50 centimes, ça va jusqu'à 4 000 euros, donc il y en a pour tout le monde. Et donc voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Et aussi évidemment, si jamais cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification, c'est vraiment très important, je le répète une nouvelle fois, j'en parle constamment, mais vous imaginez pas, enfin j'espère que vous l'avez vu plus ou moins, mais les efforts qu'il y a derrière une chaîne YouTube, c'est juste colossal. On peut le dire hein, honnêtement, mais il y a juste énormément de choses qui sont faites derrière. Je sais, il y a des métiers beaucoup plus durs que ça, bien entendu. Mais voilà, n'hésitez pas juste à laisser au moins un like. Ça fait toujours plaisir et ça me soutiendra vraiment énormément. Sur ce, si vous êtes encore là, marquez vlog dans les commentaires. Voilà, ce sera le mot de la fin. Peu de personnes vont le marquer, je pense. Mais c'est pas grave, j'ai aimé tourner cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Une nouvelle fois, j'arrête pas de me répéter. Et puis sur ce, évidemment, prenez soin de vous et de vos proches. C'est probablement le plus beau trésor que vous puissiez avoir. Donc prenez soin d'eux. Et puis évidemment, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut.